Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur JBTV. Jeudi, c'est 31 janvier 2022. C'est le dernier jour dans le mois de janvier. Nous avons écoulé un mois dans 2022. Et demain, c'est 1er février. Et moi, venu avec information pour nous. C'est la première émission. 30 minutes d'actu qui entrait la caillou. Pas oublier, émission ça passé. Sous JBTV numérique sur Facebook lundi, mercredi et jeudi. Nous connaissons les lundis, c'est l'actualité qui marque week-end que nous toujours pour vous. Mais jeudi, c'est un double d'appuyer. Et pour moun qui sous groupe Ispaola, moi crois jeudi, Yves Saint-Brice te fait un petit râle pour nous de date 31 janvier. Pour Salésiens, moun ki leve Pétionville, surtout moun ki fréquente Pac Salèse ou bien Cap Salésien yo, jodi a c'est fête Don Bosco et de Pétionville et c'est fête club Don Bosco à tout. Ça dit que sont tout fête moun ki nan secteur religieux, c'est fête Saint Jean Bosco et moun ki nan football, c'est fête club Don Bosco de Pétionville jodi a ka fêté 50 9 ans li parce que ouais Don Bosco fait 31 janvier 63. Alors nous pas qu'à passer date ça sous silence. C'est ça que fait Jodia et excuse-moi moins vini avec yon ou invité m'a dit pour nous et qui pral parler nous de qui ça qui club Don Bosco a de l'œil fondé avec tout ça yo réalisé pour 69 ans ça. Alors invitez nous jodi a surprise d'ailleurs m'a fait nous ta dévoile. Salut et vice-président. Bonsoir JB. Nous saluons tout super branché yo, on content m'la avec nous donc n'a dit tout salésien yo bonne fête. Tout le monde qui me donne beaucoup bonne fête. C'est un grand jour pour nous, c'est un jour depuis l'arrivée tout ça les chercher connaît comme si côté yon lotier parce que c'est vraiment un jour qui est important pour nous. Jodi a c'est 59 ans club Don Bosco de Pétionville. Don Bosco qui passait un pléthore de génération sorti nan et Mando Sanon qui fait ça que l'histoire et football Haïti reconnaît que Mando fait passé dans paquet de promotion que nous t'ai rencontré et là dans Maryland et docteur de Villemay est monté passé dans promotion Isaac Chauvet et Robert Denis Mesguer Ken Bruni Pierre Richard et Rivé passé pour Pegewo que dernièrement Gérald Temple était invité dans l'émission là et Rivé dans jeune génération ça qui saute by Don Bosco 2 à 3 coupes dans l'année qui s'est passée là. Don Bosco, c'est un club, il a toujours dit, par rapport à Jean le pays joueur, par rapport à Jean l'organisé, son club qui, like tout, un club première division de n'importe pays. Faut me dire que Don Bosco, c'est pas pour vendre, c'est seule équipe, moi, ouais, qui a un bus, Genoa bus Real Madrid, Barcelone, il y a Don Bosco qui a un consa. Et sans compter avec Fine Club Don Bosco, et qui prend toile là pour lui. Alors madame Oba, me faut tirer aller de administration Don Bosco wa, qui ça ou ka dit fanatique Don Bosco, ancien dirigeant joueur Don Bosco pour 59 ans. OK, ça pour pas dire on veut dire merci.
Parce que football la caille nous malheureusement toujours traité en parent pauvre, mais ça pas empêché que nous gagnons des monde qui toujours gagnent même passion, même amour, même esprit de sacrifice, joueurs, dirigeants, fanatiques, qui pour permettre que jouer là il continue malgré toutes difficultés, malgré tous problèmes que nous rencontrons. Nous voulons dire merci, merci pour amour ça, merci parce que quitte dans bon temps, quitte dans mauvais temps, grand pile nous qui était là cap supporter équipe Don Bosco. Donc ces derniers temps, c'est des périodes qui sont extrêmement difficiles pour nous dans tout sens, mais ça pas empêché que aujourd'hui nous là, nous continuer à travailler, à fêter. Donc ça qui est important, c'est que nous voulons dire tout le monde ça, que nous aimons, que nous besoin yo, et que support yo envers nous pas de prix. Donc, tout ancien joueur qui marquait équipe là, je t'ai dit tout à l'heure, Metzger, docteur Deville, mais en pile l'autre encore, Robert Denis, vous comprenez, donc, tout le monde ça Walson Augustin, en pile que, pas citer non, parce que tellement de monde côté qui a parlé de yo, vous comprenez, Lolite, en pile monde, vraiment en pile monde. Donc, nous voulons dire merci et que moins rêve moins, c'est ouais que toute famille Don Bosco a connecté, ok, pour nous capables de travailler ensemble. Donc, vraiment, bonne fête, moins content, merci pour tout ce pour nous et continuez à supporter nous malgré les moments difficiles. Madame Oba, nous connaissons que Don Bosco est recevoir cette Thérèse, mais dans les coulisses, Don Bosco a un projet de mini-stade et qui est dans la localité entre Pétionville et Tabar. Et projet ça, est-ce qu'il est réel? S'il est réel, dans quel point lié? Bon, et première étape là, on connaît dans Kassaro, c'est acquisition de terrain que nous censés vraiment avancer là-dedans. Mais à part ça, nous pouvons commencer construction, nous pouvons faire rien l'autre parce que on connaît ça ça mandé en Haïti et nous pas de sponsor et le fait que Jean Football nous en structure est allé difficile pour attirer des investisseurs. Donc c'est des ces projets qui là qui n'ont tiroir que nous pouvons matérialiser, mais ça que nous souhaitons c'est que football là il prend l'autre dimension côté que entrepreneurs, investisseurs, entreprises privées, vous prêter main forte côté l'État a fait partie intégrante de belle famille ça et nous capables ensemble qui sont nous capables faire plus belle bagaille pour encadrer jeunes nous yo. Parce que toujours aimé dit ça, le sport de façon générale et si pour football en particulier qui c'est sport voilà caille nous il est capable vraiment aider à et contribuer dans diminution délinquance, je veux dire. Donc, c'est vraiment important que tout le monde prête main forte pour que le projet ministère de ça soit capable de venir en réalité. Mini stade veut dire mini académie. Mini académie veut dire plusieurs catégories, filles et garçons. Est-ce qu'on peut énumérer pour nous si Don Bosco gagne ouvrier et différentes catégories et équipe Don Bosco, club Don Bosco a gagné? Oui, Don Bosco gagne et plusieurs catégories jeunes, U10, U12, U13, U15, et nous gagnons un jeune cap de troisième division, et nous gagnons dans deux catégories, nous gagnons ni filles ni garçons. Donc, c'est presque environ 200 personnes que nous gagnons, okay, qui en plus nous connaît que Côte Jacques et de regretter mémoire, qu'on géré, qu'on a nous gagné coach Ephraim avec l'autre coach qui est avec lui, cap travail. Pour continuer et aider jeunes ça. Donc vraiment moi-même l'homme tenu compte de ça ça relève une académie de ça ça mandé nous gain ti moun yo là n'a travaille avec mais nous pas une structure une académie parce que une académie c'est beaucoup plus que ça. C'est pas seulement prendre ti moun entraîner le faire jouer ti match beaucoup plus que ça c'est un encadrement global que malheureusement nous pouvons gagner et demander vraiment est-ce que nous pouvons compter académie dans le pays nous parce que le nous tenons compte de ça demande vraiment d'appeler le travail qui pour faire pour nous commencer à parler de l'académie mais si nous sommes là et nous souhaiter et à l'avenir nous capables vraiment parler de l'académie madame Bosco. Et il y a quelque temps, et fanatique Don Bosco pas gain nouvel président et moi pas connais si président lui-même a pas li gagné des projets ou bien des pas connais pour équipe là parce que et lorsque nouveau bus doit trois côté pour accueillir
et joueur Don Bosco t'a fait c'est garder fanatique ou bien même joueur tout garder que toute bagarre ça au fait faut me dire nous que Don Bosco gagne d'autres lits dans Delma 33 31 mais moi t'as le visiter lui c'est pour Kainon son d'autres pour recevoir équipe qui construit pour ça même et il a gagné différentes maisons lorsque joueur yo en concentration ça a un coût madame qui source de revenus sponsor particulier moi pas connaît et pas nous détailler non sur ça. OK, en fait au moment pour président c'est que président qui ça le fait c'est un monde qui mettait tête li derrière pour promouvoir l'autre monde. Ça fait on prend Don Bosco en fait qui commence à faire tirer fort dans jouet là, on prend nous gain Jean Tamarajan lui, nous gain Joan Alfred qui avance, nous gain Richard Deristil qui l'a cap travail avec nous, nous gain Carlson Toussaint, nous gain Smanti, nous gain Aretis, nous gain Nancy vraiment comme si il permet que nous-mêmes nous capable grandir. Nous gain Max, Macabie Max du tout. Vous comprenez, nous gain responsable de communication nous qui c'est légu vraiment, c'est toute une équipe qui l'a que président lui-même lui rete derrière la backup nous. Et au moment où porteur les conseillers nous pas habillé Véronique Kadefi elle moi que moi mais en pile Véronique moi en pile donc nous avons tout le monde ça qui a travaillé en parlant de sponsors Don Bosco nous connaît ça déjà premier sponsor c'était président qu'on a nous gagné également Don Bosco Borlet qui supportait et nous gagne communauté Don Bosco que nous parler de lui et déjà ou pas obligé fanatique Don Bosco pour faire partie de communauté à des pour son monde qui croit dans jeune des pour son monde qui croit que éduquer jeune permet que pratiquer sport capable aider yo comme si dans développement physique développement mental yo et permet que à l'école ou capable faire partie de communauté donc si Baraboba si on monde là-bas alors on fin en fin battre sponsor yo pour communauté de Moscou pour pas perdre la dani si on monde aux États-Unis France Canada ou bien Europe est-ce que côté yo a ka participer dans communauté de Moscou qui j'en peux faire si oui oui communauté de Moscou a une page ou capable contacter ou depuis que sur page là ou avoir une réponse et nous même n'a pas cadeau qui ont café pour capable supporter communauté à supporter génio et contribuer à on demain mieux pour jeune ça est-ce qu'on cabaye adresse pour qu'a monter et est-ce que son website est-ce que c'est page Facebook ou salier et bien page Facebook qui c'est communauté Don Bosco mon n'est capable reler tout à le bon numéro communauté à directement car il est sur WhatsApp s'il oui. S'il en de oui numéro direct communauté c'est 34 74 44 40 c'est le numéro communauté directement on va monter sous page alors bon moi bon mettez-li en bas là 34 74 44 40 alors la communauté de Don Bosco oui va taper li en bas live là mes amis et contact lancé. Peut-être pas moi dit madame parce que m'a tout tapé dans bail live là pour moun qui besoin yo c'est 34 74. Alors mais faut pour nous pi à l'aise mettez plus 509 devant ni 34 oui 74 44 40 ça c'est et pour communauté moun qui en bail live yo moi fait taper li là et nous ca monter et puis gagner réseaux sociaux yo que nous cajoune. Voilà. L'autre sponsor, l'autre source de revenus de Don Bosco, qui s'allie encore? Bon, à part ça, me dit, nous pas gagné l'autre source de revenus. OK. Et fédération, alors comité de normalisation, parler d'une reprise de championnat qui campé, et février, mars, pour le faire 2 ans depuis le campé, joyeux pas joué, et Haïti pas presque dans la compétition, il était annoncé avec une réunion qui était faite il y a 2 vendredis de cela, qui a relancé et première division. Don Bosco t'es participé, qui ça qui t'est sorti dans la réunion ça? Bon, en fait, rencontre yo pas prendre décision là-dedans parce que majorité club yo pas là. T'es gagné 8 clubs qui étaient là, gagné 10 clubs qui pas présent. Donc club qui était là, yo t'est proposé que yo
planifier yon lot rencontre qui te prévoit pour demain, mais yon reporté le pour mercredi. Et nous souhaitons que le club yon a fait déplacement pour ensemble nous capables explorer des pistes pour sous possibilité pour championnat lui-même lui ta reprendre. Vous comprenez? Parce que on imagine réalité Don Bosco pas forcément réalité Real du Cap, pas forcément réalité América ou bien Juventus ou bien Tempête. Donc c'est important que nous toutes nos chita pour nous capables ensemble qui possibilité qui gagner et garder faisabilité yo tout en tenant compte de sécurité moun que nous pral voye jour des nous gen jeune sa yo qui obligé déplacer de yon place à un autre, faut que nous assurer nous que nous gen moyen pour nous garantir sécurité. Madame Oba, jeudi a fait Don Bosco 59 ans, c'est pas 59 jours. En pile titre, en pile génération formée, en pile génération passée, en pile génération, en pile joueur à l'aide sélection, surtout et sélection 74 là côté nous connaît et ça joueur Don Bosco fait et yo toujours dit comme ça que sous besoin by Italy goal, c'est un joueur Don Bosco pour mettre dans sélection parce que c'est vraiment match joueur italien. Oui. Exactement, c'est Peguero, c'est Olly Sowell qui te fait pénalité là. Oui. Plus Mano Salé, trois goals Haïti by Italio, c'est trois joueurs Don Bosco. Et moi pense que 59 ans ça ils sont fierté pour club Pétionville là et ils sont fierté pour Pedi Bess et fondateur club ça que moun pas connaît. Fondateur club ça c'est fondateur club espagnol là tout. C'est-à-dire que Hispaola c'est petit Don Bosco parce que c'est même papa Mwenkadou qui fait nous et parce que ça fait gain relation entre Don Bosco et Hispaola. Madame Moba, nous pas que beau trop et yon mou pou fanatique Don Bosco yo réseaux sociaux yo tout bay adresse yo si moun yo ta besoin contacter équipe Don Bosco et l'important si on moun ta besoin acheter maillot Don Bosco et ça le recevoir il est de yo qui gens pour yo acheter Mario ça pour délivrer yo même si en Europe. OK, moi voulais dire encore une fois j'aime te dire t'as commencé merci pour support, merci pour sacrifice, fanatique, ancien joueur, ancien dirigeant, comme si tout le monde qui était non façon ou en l'autre contribué pendant 59 ans ça a fait de Don Bosco salier, il y a monde qui était comme si qui qu'on critiquait nous mais de façon constructive qui pour mettre que nous faire bagarre qui bon. Donc nous voulons dire tout le monde ça au merci. Et nous aimons dire ça, par l'équipe sans fanatique, nous avons toujours besoin de support pour nous capables d'avancer. Donc, depuis que nous avons contacté la communauté Don Bosco, quel que soit celui que nous avons besoin de faire, Madame Véronique Cadet a fait le plaisir et c'est un devoir pour les taux pour le faire suivre, qui c'est pour Mayo, qui c'est pour faire partie de la communauté Don Bosco. Donc, c'est sûr que le suivi sera fait. Donc, pas hésiter à contacter le numéro qui est bon. Nous allons contacter la communauté Don Bosco qui a une page Facebook. Li. Ensuite, nous avons une page Facebook Don Bosco qui est Don Bosco FC. Donc, n'importe quel passage que nous écrivons en privé, nous avons une réponse que nous avons besoin. Et si nous écrivons le numéro communauté à tout ce que ça soit besoin pour conseiller Don Bosco, nous avons besoin. Donc, website là? Website Don Bosco? Don Bosco, c'est donboscofcpv.com. Don Bosco fcpv.com. Don Bosco. Oui. Et en seul mot, et nous connaissons oui, Don Bosco, pas besoin de m'appeler pour nous. Et non, c'est donbosco et puis fcpv.com. Oui. N'a tombé directement sur la page là et n'a pas toute photo, tout événement Don Bosco. Nous allons aller sur Facebook Don Bosco et n'a pas toute activité Don Bosco. Merci encore Madame Oba et bonne fête à tout dirigeant de Moscou qui toujours kembe club sa vivant parce que ou kawe dans zone métropolitaine nan, c'est presque Don Bosco qui pas descend dans deuxième division ces derniers temps parce que toutes ces violettes racines et tout le monde ça autour font passer dans deuxième division et merci encore et fanatique Don Bosco qui toujours vient supporter club ça que l'a pu se voir dans stade là ou bien cette 13 qui c'est Bastien Kounia là même le li aller dernier titre Don Bosco c'est qui remonte à qui date 2015 si je ne me trompe pas nous prenons et Saint-Marc là 2015 ou 2018 bah, 2015 ou 2018 nous prenons Saint-Marc 2018 oui, et nous prenons Saint-Marc 2018, et 2018, nous prenons sous
nous prenons sous équipe à Kaya, exactement, parce que le match a été obligé à le rejouer, Saint-Marc, et nous te battre 1-0. Merci encore, Madame Obadès, que tu as accepté l'invitation. Et on l'autre fois, nous connaissons fois passé sous plateau. Et bien doit encore, c'est pour venir parler de Moscou. Merci, JB. Bonne fête, même tout. Bye. D'accord, bye-bye. Alors, c'était Madame Oba et n'a pas rappelé Jodia fait Don Bosco et 59 ans et d'existence et des pléthores de joueurs qui passaient là-dedans, dirigeants. Et j'aime d'abdi nous, c'est l'équipe qui baille en pile joueurs dans la sélection et de haut niveau. Et plus gros joueur que Don Bosco baille là, c'est Emmanuel Sanon, que nous tous connaissons son nom, Mano Sanon. Alors, n'a pas entré dans l'actualité international là et n'a commencé avec et basketball NBA. Tout d'abord et dans basketball NBA gagné All-Star là qu'a fait Anissa 20 février dans la cour Cleveland. Alors dans émission précédente là moi était ba nous qui Jean match rookie et sophomore là t'a fait yo pas fait un match, il a fait trois matchs et moi t'ai expliqué nous et toute et formule que NBA a adopté Anissa pour 75 ans. Pour match de gala qu'a fait le 20, eh bien NBA a semaine passée a n'a dévoilé 5 starters par conférence. Il y a différence entre équipe cap statue avec et joueur yo voté yo. Joueur Mbalbanou là c'est des joueurs que public là entraîneur avec joueur pareil yo voté avec journaliste excuse-moi voté qui Jean de yo fait li public là te gen 50% dans vote là coach yo te gen 25% et journaliste te gagné 25% gagné des monde qui confirmé mais qui des surprises tout par exemple et gagné en pile monde qui étonné que Andrew Wiggins qui non seulement monsieur All-Star mais monsieur parmi les 5 titulaires starters qui a sorti dans conférence ouest là mais faut dire nous comme ça que j'aimerais pas le ban nous là c'est pas comme ça équipe yo a disposé le 20 et l'en pral ouais soyez All-Star là yo fait des poules yo fait des votes à l'est et à l'ouest et puis yo prend 5 moun dans chaque et conférence ça yo que yo pral fè yon draft, c'est ça, on va l'expliquer nous qui Jean y a fait. Tout d'abord, on tombé nan nominé. Deux premiers nominés, c'est deux moun qui gagnent plus votre Anissa, c'est deux capitaines yo, c'est LeBron James et puis Kevin Durant. Deux nèg sa yo, c'est deux joueurs à l'est et à l'ouest qui recueillent plus de votes ni côté public ajouté avec journalistes et entraîneur. C'est ça que fait, c'est Kevin Durant avec LeBron James qui pral gagner possibilité le 10 février à 6h30 n'a parlé de Eastern Time PM, yo pral faire yon mini draft avec joueur sa yo, nous pral voir qui pral défiler sous écran nous là. Tout d'abord, c'est LeBron James sans surprise 18e All-Stars, monsieur manqué yon All-Stars pour le cas égalé le grand Karim Abdul-Jabbar qui gagnait 19e. Là, mon conférence ouest là. Deuxième, non, c'est Nikola Jokić, c'est MVP année passée. Moi, pensez que côté monsieur menait équipe Denver, tout à l'heure, parler de l'équipe Denver, monsieur mérité pour là, mais j'aime dire, c'est votre qui mettez là. Troisième, c'est Andrew Wiggins, c'est et surprise moment, mais ça montre que et fanatique Golden State, yo même yo poussé joyeux. Parce que par rapport avec l'année passée que Andrew Wiggins pas dans All-Stars et année ça c'est une belle surprise que Andrew Wiggins que n'a pas gardé sur l'écran nous là monsieur parmi les votants. Après ça nous toujours dans conférence ouest là et Ja Morant bon monsieur même c'est sans surprise moi parce que si monsieur pas là mes amis et mon cap garder NBA chaque soir yo m'pas vote yo m'pas comprendre qui Jean yon pas voté et Ja Morant. Et puis, cinquième nan, et c'est Stephen Curry qui sont 8e All-Stars. Ça, c'est 5 joueurs
à l'ouest que public l'a voté. Nous allons regarder là le Bo James, Lakers, Stephen Curry, Golden State, Jokic et Denver, Ja Morant et Minnesota, et puis, alors, Ja Morant Memphis, et puis Andrew Wiggins, Golden State Warriors. Alors, on a traversé à l'ouest, à l'est, excuse-moi. Mais c'est poule, yo. Il y a une différence entre poule et starter. Yo, 5 moun sa yo, 5 joueurs sa yo, yo voté yo pour yo pralé non poule à l'ouest. Nous pralé poule à l'est là, et puis le 10 février, non show qui pral fait, live, le Bon James avec Kevin Durant, yo chaque ap yon côté. Et parmi deux poules sa yo, nèg yo pral choisi 4 joueurs parce que yo déjà 1-1, après te 8, 4 dans chaque poule, yo même pral choisi 4 joueurs qui pouvin jouer avec yo. C'est pas vrai dit que nous pral gagner un match conférence ouest. J'en ai regardé Curry, Jokic, LeBron James, Ja Morant et Andrew Wiggins face avec yo conférence S. C'est pas qu'on ça la pied. C'est à part après chaud 10 lan qu'a fait à 6h30 PM Eastern Time, nous pral connait composition de équipe yo. En traversé à l'est Kounia. À l'est sans surprise, Kevin Durant 12e All-Stars League. Bamba nous sous grand écran pour nous avoir tout joyeux. Deuxième, c'est Joel Embiid. C'est aussi monsieur avec une série 35, 45 points, 50 points par match. Moi, pense que monsieur mérite votre tous les trois groupes saillants, public, joueur, alors journaliste et coach. Giannis Antetokounmpo est champion en titre, MVP final en titre. Damar DeRozan, moi, pense que qui changeait l'équipe Chicago. Anessa, monsieur, est vraiment pour l'équipe Chicago au top Chicago qui en deuxième position. Et puis, et Trae Young qui est pour deuxième All-Stars League et Anessa, monsieur, abstater. Mais 5 et joueurs qui n'ont poule à l'essio, Noël, Giannis Antetokounmpo qui sorti dans l'équipe Milwaukee Bucks, Joel Embiid, Sixers, Damar DeRozan, Chicago Bulls, Trae Young, Atlanta. Et puis Kevin Durant, le capitaine qui sorti dans l'équipe Brooklyn Nets là. Mais poule à l'est là. Qui j'en sa pral fait, moi souhaite nous poule à l'ouest là. Poule à l'est là, nous pral gagner deux capitaines yo, Kevin Durant à l'est et LeBron James à l'ouest. Et ces deux joueurs sa yo, qui pral gagner deux poules sa yo devant yo. Et puis, nan show ka fait le 10 février, hein, deux capitaines sa yo. Vous pouvez choisir 4 joueurs dans 2 poules pour former l'équipe. Yo. Cela signifie que nous avons Kevin Durant, nous qui nan, alors nous avons Stephen Curry, nous qui nan poule contre le deuxième joueur, contre le deuxième joueur, et puis Kevin Durant choisir pour venir jouer avec lui et vice versa. Alors, chose ça, la fête, notez date là, la fête est jeudi. 20, alors 10 février, 6h30 PM, Eastern Time, nous kachita devant télévision nous pour nous garder son sort de draft la pied. Ça, c'est pour All-Stars NBA. N'a toujours été dans le basketball NBA. Hier, t'es gagné, yon dizaine de matchs, mais nous connaît les week-ends toujours gagné, yon paquet matchs. Moi, pas capoter tout résumé pour nous. Moins poté, yon seul résumé, c'est équipe et Denver Nuggets là qui était en déplacement, s'il vous plaît, sous terrain Milwaukee Bucks là. C'était une bataille de deux gros joueurs, deux gros géants, Nikola Jokic de côté Denver et Giannis Antetokounmpo de côté Milwaukee Bucks. Pas oublier, Milwaukee Bucks t'a pour recevoir et équipe Denver, mais ça va passer dans le match là. Si avant moi parler, avant nous mettre détail sur le match là, m'a rappelé nous que match là fini 136 points de différence. C'est pas pour Milwaukee Bucks, c'est pour Denver qui était en déplacement. Équipe Denver Nuggets là, c'est marché, li marché sous équipe Milwaukee Bucks là dans bataille des géants que n'a regardé sur écran nous là. Eh bien c'est et Jokic qui gagne raison sous équipe
et Milwaukee Bucks. Malheureusement pour l'équipe et Milwaukee Bucks, nèg yo fait 4 cartons, yo prend minimum 32 points par carton. Premier carton, yo prend 33, deuxième, yo prend 32. Dans le deuxième mi-temps, troisième et quatrième carton, yo prend 33 points. Pendant que dans le premier carton, yo prend 33 pour faire 30, très équilibré, 3 points de différence. Dans le deuxième carton, yo prend 32 points, yo bay 27, plus ou moins équilibré, différence et 5 points. Troisième carton, yo prend 33 points, yo bay 24, yo commence à descendre. Et puis, c'est dans le quatrième carton, différence après le fait, parce que yo prend 33 points, yo prend bay seulement 19 points, donc différence 36 points différence en aller directement dans belle image sa yo avec yon superbe Nikola Jokic que n'a regardé sous écran là hier qui était en double double. Monsieur fait 18 points, 9 rebonds, 15 passes décisives et monsieur t'a shooté à 2 sur 4 à 3 points et tout ça monsieur fait li en 28 minutes. Yon rebond en plus t'a fait Nikola Jokic fait triple double là. Bien aidé par Aaron Gordon qui sorti dans l'équipe et Orlando Magic là. Hier, monsieur était meilleur scorer de côté Denver Nuggets, 24.7 rebonds et monsieur t'a shooté à 4 sur 8 à 3 points. Malgré yon Giannis Antetokounmpo qui fait 29 points meilleur scorer match là, 9 rebonds, mais ça pas suffit pour te bail et équipe Milwaukee hein. Et victoire là, malgré 14.5 rebonds de Joe Holiday, mais défense Milwaukee hier, et lui, pas de répondre du tout. Victoire de l'équipe Denver Nuggets là, avec chiffre ça de Nikola Jokic, 18.9 rebonds, 15 passes décisives, monsieur fait 3 steals, pas oublié, monsieur shooté à 2 sur 4 à 3 points, monsieur joue seulement 28 minutes. C'est pas seul match ça que t'es gagné, dans 10 matchs qui t'es gagné, yo, moins porter l'autre résultat pour nous. Tout d'abord, équipe numéro 1 dans toute NBA hier n'ego yo fait une victoire qui mettait yo à 40 victoires pour 9 défaites. N'a parlé de équipe Phoenix Suns là avec yon superbe CP3 20 points, 8 rebonds, 19 passes décisives. Vraiment c'était un bon et Chris Paul hier soir. Troisième résultat c'est équipe Chicago Bulls, m'a rappelé nous qui deuxième à l'Est. 31 victoires pour 18 défaites avec yon superbe et Nikola Vucevic 24 points, 14 rebonds en double-double. Et puis, l'autre équipe Los Angeles là, yon fait yon victoire, yon était en déplacement sous terrain et Hornets là, qui mette un bilan 50-50, 26 victoires pour 26 défaites grâce à Reggie Jackson, 19 points, 4 rebonds. Et 4 passes décisives. Si Clippers calé nan comme équipe Los Angeles, eh bien l'autre équipe Los Angeles là perdu, même après rappeler nous que le bon Dieu n'a pas joué. Trae Young qui sous deuxième All-Stars League, eh bien hier monsieur fait plier équipe et Los Angeles Lakers là qui passait Los Angeles en bilan vraiment négatif, 24 victoires pour 27 défaites. Actuellement là, yo pas dans top 8 là, yo pas dans 8 et premier à l'ouest. Trae Young 36 points, 5 rebonds, 12 passes décisives en double-double et puis monsieur fait 4-3 points, mais bilan équipe Atlanta toujours négatif, 24 victoires pour 25 défaites. Là, nous t'ai gagné une belle page NBA. N'a quitté NBA, nous pour aller dans US Open 2022. Et moi pense que c'est une fois que moi parler de tennis, même pas ta capé ça sous silence mes amis. Record que Nadal fait a. D'ailleurs, nous connaissons si QA, c'est Djoko, c'est Federer, c'est Nadal. Tous les trois joueurs ça a été à 20 Grand Chelem. N'a parlé de Roland Garros, n'a parlé de Open d'Australie, n'a parlé de Masters. Et n'a pas parlé de tournoi et aux États-Unis, hein? Eh bien, l'autre est compilé pour trois joueurs ça yo, eh bien, négocié avec 20 Grand Chelem. Eh bien, hier, en absence de Djoko qui s'est met Open d'Australie, l'en va regarder chiffres, nous va louer ça, eh bien, Nadal, dans carrière li, monsieur prend
deuxième Open d'Australie et avec deuxième avec titre ça Nadal vini et joueur qui gagne plus Grand Chelem avec 21 Grand Chelem. C'est pas et surface de prédilection Rafael Nadal parce que monsieur pas joué sur surface du bien de cette deuxième Open d'Australie. Si nous besoin ouais monsieur qu'après ramasser titre, c'est dans Roland Garros parce que monsieur c'est surface ça yo qui c'est terre battue qui bon pour lui. On allait en image, hier c'est un match qui était vraiment dur parce que Nadal perdu et premier et deuxième set. Premier set là, il perdu lui 2-6. Dans deuxième set là, il a commencé remonter Jam Dino pour lui battre record 21 Grand Chelem. Et premier set là, Jam Dino, il perdu lui 2-6. Dans deuxième set là, c'est au tie break qui t'a perdu lui et 6-7. Et puis là, monsieur commencé monter en régime. Il va le battre deux autres sets, troisième et quatrième set, 6-4, 6-4. Et dans le dernier set là, il était vraiment dur pour moun qui t'a gardé match en pile échange entre monsieur et Medvedev. Mais Nadal vient gagner dernier set là, et 7-5 pour lui gagner 21e Grand Chelem. Et n'a gardé monsieur qui a célébré, qui content et couplant. Et bravo à l'Espagnol Rafael Nadal qui tout entré dans l'histoire comme joueur tennis qui gagnait plus Grand Chelem sous Sikuya ou bien dans l'histoire joueur là, ça c'est deux finalistes que n'a gardé là. Bravo à Rafael Nadal. J'aime tab dit nous c'est deuxième Open d'Australie monsieur et surface de prédilection monsieur c'est Roland Garros. Terre battue en côté monsieur qui 13 Roland Garros. Wimbledon talent parlé de Master B c'est Wimbledon et puis US Open que m'était confondre là monsieur avec 4 US Open. Si n'a gardé nos Open d'Australie n'a deux joueurs yo à trois joueurs entre Federer et Djoko et Nadal n'a pas ces monsieur qui gagnait pipiti et Australia Open avec deux seulement. Djoko gagne 8 et Federer gagne 6. C'est pas surface de prédilection Nadal mais c'est surface ça qui fait monsieur pas record et 21 titres là que n'a gardé derrière Domnola très bien et bravo à l'Espagnol Rafael Nadal. N'a quitté tennis, nous pral tomber dans Coupe d'Afrique des Nations. Dans Coupe d'Afrique des Nations, week-end qui se passait là, n'a pas eu de samedi et dimanche, tout quart de finale yo te joué et yo délivré verdict que moi pral li en image pour nous là. Tout d'abord, et samedi, nous te gagné équipe Gambia qui était face à face avec pays Woutland, Cameroun. Eh bien, victoire de équipe Cameroun, 0-2, moi toujours dis nous ça, parce que même le son tournoi qui a joué, mais toujours qu'une équipe qui a pu recevoir, c'est équipe Gambia qui a pu recevoir. Grâce à Ekambi, deux cabesses dans deuxième mi-temps, 50e minute de jeu. Monsieur Pral recevoir un centre de la droite vers la gauche. Monsieur Pral sauter à défenseur et Gambia. Et Monsieur Pral font tête croisée pour 1-0. Et c'est Fay qui te fait centre là. 2-0 après le vini, 7 minutes après. Et yon passe, yon pral blier et Kambi dans deuxième poteau. Et Kambi pral classer ballon pour 2-0. Vraiment, c'était la fête et côté Cameroun. 2-0 et nèg tout joine billet qualification yo et n'a gardé deux attaquants ça yo deux super vedettes ça yo entre yo nan kad nan nèg yo fait 11 goals 6 goals pour Vincent Aboubakar que n'a gardé deux dos à numéro 10 là et puis Karl Toko Ekambi monsieur gagné 5 goals vraiment attaque équipe Cameroun nan ka marché bien et Cameroun qui joine billet li Jean Abgade derrière nous, indomptable Toko et Kambi qui bail Cameroun et Bieli pour demi-finale. L'autre demi-finale, dans même joueur qui t'a joué, victoire, oui, de équipe Burkina Faso, Burkina Faso qui t'a joué face à équipe tunisienne. Héroïque équipe Burkina Faso, surtout en deuxième mi-temps, n'a résisté à toute attaque équipe tunisienne pour yo remporter. Yon belle victoire, yon victoire, yon goal qui pral fait dans 43. Alors, on me dit que 3 minutes
après 45e minute parce que nous avons joué pour le temps additionnel dans la première mi-temps, c'est Ouattara qui fait super goal ça et Samuel mène un goal ça, il a poussé monsieur passe là en profondeur et passe là bat défense là et monsieur fait comme s'il a fait shoot pied droite là, monsieur fait triple translation qui ont petit cal frappé dans pied droit dans pied gauche parce que monsieur fait triple translation à pied droite qui frappe dans talon pied gauche monsieur mais ballon monsieur qui est en jaune ni quand même et monsieur retournait pour mettre ballon dans camp. Va parler nous 3 minutes additionnelles dans première mi-temps victoire de l'équipe Burkina Faso a fait chemin et puis en dimanche grâce à le roi pharaon n'a parlé de Mohamed Salah eh bien équipe Égypte là t'a gagné gain de cause sous équipe Maroc là c'était choc journée n'a parlé de côté équipe Maroc là n'a parlé Achraf Hakimi qui était vraiment en forme dans tout mois ça. Et puis, équipe Égypte là, et match par match, qui prend grade. Il a mené sous Égypte, grâce à Mohamed Salah, buteur et passeur, forme de que son match qu'a joué deux temps prolongation de 15 minutes pour départager l'équipe. Pour qui ça? C'est parce que l'équipe et Maroc là, t'es ouvri score là, sous yon pénalité de Boufal, n'a pas gardé pénalité ça, que yon fait sous Achraf Hakimi. Sans discussion, Achraf Guetta poussé ballon hein, et c'est Piel que le défenseur apprend et Boufal pral transformer pénalité. Ya, nous avons joué 7e minute de jeu. 1-0, premier mi-temps pral fini et dans deuxième mi-temps, oublié de la défense. Même map gade match là, si gon joueur qui dans joué dans l'équipe Égypte, l'allié le Mohamed Salah. Et bien, on connaît qu'a fait tout le monde oublier ça là dans le deuxième poteau. Pour contre lui, monsieur recevoir un rebond de gardien qui pas de dégager et ballon bien après un coup de tête. Et ça là, tranquillement, monsieur mettait ballon en camp, 53e minute de jeu. Malgré attaque des deux côtés, nous t'es obligé à jouer deux temps prolongation. Et c'est à la 100e minute de jeu, dans le temps prolongation, sous un passe du pharaon Mohamed Salah et Trezeguet qui pral mouté dans match a, c'est ça fait Carlos Queiroz qui c'est entraîneur et équipe Égypte là monsieur pral font bel coup de poker parce que monsieur pral mouté Trezeguet et c'est Mohamed Salah qui pral délivrer monsieur passe ça pour 2-1 et c'est score match là et du même coup Salah et avec équipe pharaon n'est du filé directement en demi-finale, Salah qui prend meilleur joueur match là et avec trophée Li Nameni. Bravo avec équipe Égypte qui mettait un gros morceau, c'est Maroc de York. Dernier et quart de finale n'a porté pour vous, c'est équipe Sénégal là qui et Joël Biel qui tape jouer face à face avec Guinée équatoriale. Et dans un premier temps, il était annoncé et Sadio Mané et indisponible parce que nous connaissons shot monsieur te prend dans 8e de finale là mais après et consultation après protocole et cadenan monsieur te participé dans entraînement samedi hein monsieur te ap ni vendredi ni samedi il te participé dans entraînement full entraînement monsieur te ap à jouer Mané pas fait goal mais présence monsieur était important pour te remonter moral et joueur sénégalais. Sénégal qui pral ouvri score là sous action ça et n'a pas gardé là sous on passe de Kiyes 28e minute de Sadio Mané qui filé et Famara et gol et passe là et monsieur pral pour contre lui dans deuxième botoa pour 1-0 à 28e minute de jeu. Premier mi-temps pral fini 1-0 en faveur de l'équipe Sénégal là et dans deuxième mi-temps et action ça Samuel Meladani passe la fête dans défense là, un cadre défense entanti j'ai dégagé, n'a parlé de défense Sénégal là et puis qui est ce qui pral jouer le ballon hein? Monsieur mettez yon zotey Jean n'a regardé sous écran nous là, c'est Yannick et Sam qui mettez yon zotey pour 1-1 hein? Nous t'a joué ça 57e minute de jeu. 68e minute de jeu, équipe
Sénégal la pral joindre avantage là. Là encore mes amis, faut m'expliquer nous gol ça. Ça son gagote. On sent qui fait de même dit libéraux yo a goumé qui est qui pour dégager li et puis nèg yo pas entendre yo bien, nèg yo font on tête derrière et pas bay gardien, pas qui ça au faire yo frapper ensemble. Ballon tombé dans mi temps tête youn nan défenseur yo et puis qui est qui était à la fuite pour contre lui parce que son passe en retrait lié hein, c'est Koyata. Alors Koyate et monsieur pral fait ti cambriant sous gardien yan pour 2-1 gol gagote gol ti moun piti. Ou ap gade deux défenseurs qui campé qui fin fait gagote yo et kaprétan gardien sauver yo et Koyate pour 2-1 nous tap joué 68e minute de jeu. Faut me rappeler nous que Koyate monsieur était monté à la 65e minute de jeu parce que monsieur était sous banc et c'est deux moun, c'est deux joueurs qui étaient sous banc qui monté qui pral bay Sénégal victoire là. Tout d'abord action ça n'a pas gardé là, c'est Koyate qui était monté à la 65e minute de jeu qui pral fait et 2-1 et puis 3-1 a venu à la 58e minute de jeu. Alors, excuse-moi, Cap Vini à la 79e minute de jeu. Et parce que Ismaël Assa, qui pral fait gol là, qui était monté lui-même à la 58e minute de jeu. M'a parlé de deux remplaçants de luxe. C'est deux joueurs saillots. Youn monté à la 58e minute de jeu. C'est Ismaël Assa qui pral fait troisième gol là. Et puis Koyate, qui était monté à la 65e minute de jeu, qui pral fait 2-1. Victoire de l'équipe Sénégal là qui joint dernier billet qualification pour demi-finale yo. Alors, qui j'ai demi-finale yo présenté et qui le y a fait? Mercredi, y a émission à 2h à gagner première demi-finale là. Jeudi, y a émission à gagner deuxième demi-finale là. Avantage, y a gagné deux matchs yo à jouer à 2h. N'a pas gagné résultat, image. Et deux matchs, ni match mercredi, ni match jeudi. Mais, et croisement pour demi-finale. Tout d'abord, Cameroun-Égypte, ça c'est un choc. Et puis, de l'autre côté, Burkina Faso, Sénégal, m'a dit équipe Sénégal là, méfiez-le de Burkina Faso, parce que son équipe surprise, son équipe qui prend moun. Et par surprise, nous, j'en te surprenne. Et Tunisie et Negyo gagné yon bon avancement devant. Et un moment, et m'a parlé de Ouattara, un moment, li ka blessé ou parce que monsieur vraiment bon. Alors, Kembe et ma demi-finale yo, mercredi, 2h, m'a parlé de la heure haïtienne et Burkina Faso, Sénégal, match à droite là. Sous écran nous a joué en vent et puis Égypte Cameroun l'a joué jeudi 2h PM heure haïtienne mes amis Kembe et calendrier dans tête nous mercredi jeudi comme m'a venu avec plus explication pour nous dans émission mercredi parce que Burkina Faso Sénégal là a bien fin jouer pour finir nous pour aller dans zone et CONMEBOL là CONMEBOL parce que l'en tap sorti jeudi à la match Argentine nan tap pral commencer Argentine moi pense qui fait la bonne opération nan match sa nèg yo était très à l'aise et sans Messi qui pas fait déplacement parce que Messi sot joué jeudi à nan Coupe de France yo perdu devant équipe Nice lan la kayo nan pénalité bon me dit que yo pas qualifié parce que match a fini 0-0 après 90 minutes. Comme nous connaissons en France, nan coup pas gagné temps prolongation, yo ta joué temps prolongation, première partie séance en fini 4-4 et puis dans deuxième partie séance là pour diable Xavi Simon et ti jeune ça monsieur raté pénalité qui fait et dans Coupe de France là Paris a tout Messi à tout Mbappé qui était monté dans match là Messi joue tout match Paris des tout monde qui était monté yo éliminé dans Parc des Princes. On finit avec zone CONMEBOL là. Équipe Argentine nan et nèg yo fait une belle victoire et en déplacement sous équipe chilienne nan grâce à Di Maria qui fait un superbe goal. Jean nous connaît pied gauche li a, li paraît dans tête carré a
sur la droite. Équipe chilien, li fait ti crochet, elle range sous pied gauche et puis il dit gardien al prendre sous capable pour 1-0. Un air pour venir avec un coup de tête qui pral lober Martinez. Étonnamment, j'aime prendre monsieur Long nan quand monsieur prend goal ça quand même. Et puis nous connaît depuis agence n'a joué, il toujours un sauveur qui s'appelle Lautaro Martinez, l'homme en forme de l'Inter de Milan, l'homme en forme de la sélection, délivré Argentine à plusieurs fois. C'est monsieur qui pral fait 2-1. Tendez bien, Argentine de Lionel, et pas Lionel Messi non, m'a parlé de Lionel Scaloni, Negio à 28 matchs sans défaite. Actuellement là, c'est série qui pilon qui en cours. Et m'a dit, Italie te gen par là, li sot perdu. Qui est-ce qui sot gen par là et sot perdu li dans la Coupe d'Afrique des Nations là? Ça veut dire que c'est seul Argentine qui sous 28 matchs sans li poko perdu. Et l'artisan de 28 matchs ça, parce que gen 15 dans 28 là, tendez bien, et m'a parlé de série ça, faut mettre image ça sur grand écran pour nous. Nègre sous une incroyable série. J'aime tap dit nous. 28 matchs de l'équipe argentine nan, depuis Lionel Scaloni. Nègre poko. J'aime perdu. Et gagnon joueur ou bien, ma parle de joueur tout pour mélanger. Depuis Ligue joué pour Argentine, monsieur sous 15 matchs là, n'a parlé de gardien de Bioa, de Martinez. Eh bien, monsieur sous 15 matchs là pour Argentine, tendez bien. Depuis Emiliano Martinez en bagan, monsieur Poco, jambe perdu. Et nous, surtout dans la Copa América, monsieur était très solide. Monsieur son gardien qui en confiance. Argentine, quelques temps, il t'a prétendu un gardien qui en confiance comme ça. 15 matchs, une zéro défaite. Le et Emiliano Martinez en bagan pour l'équipe argentine. Alors, victoire de l'équipe argentine. 1-2 en déplacement parce que vous êtes qu'à Chili et défaite ça fait Chili mal en pile. L'autre équipe qui fait une victoire et qui est importante, c'est l'équipe Uruguay. Mat Brésil l'a déjà connu 1-1. Brésil tape mené et égalisé avec lui. C'est l'équipe Uruguay qui était en déplacement. Uruguay fait une victoire qui remettait dans la course grâce à Luis Suarez qui fait seul goal match ça. On prend tout match qui était joué dans 15e journée, mais équipe Argentine Brésil, c'est 14 journées au prend. Tout d'abord, 1-1 entre Équateur Brésil, moi te gratin parler nous de match ça jeudi. Paraguay a perdu pendant que il t'a recevoir Uruguay, j'aime dire nous, match ça t'a fait bien pour Paraguay, même c'est le plus fait bien pour équipe Uruguay. Chili là qu'elle a perdu, je parle de match ça devant équipe Argentine. La mauvaise opération du jour, c'est équipe colombienne qui a besoin victoire ça sur Pérou pour le prendre 4e place. Tout à l'heure nous parlons de ça, yo perdu la caillou. Et puis équipe Venezuela et grâce à yon triplé et de Rincon bat Bolivie et Kai Venezuela. Alors qui Jean classement présenté après 15e journée ça, n'a gardé Brésil Argentine c'est 14 joué. Brésil, Argentine, nous est CC derrière nous, c'est-à-dire que nous qualifiés. Et puis, équipe Équateur à 24 points, Pérou 20 points, Uruguay qui montait à place barrage là à 19 points. Moi, je vais faire une sorte de entrée-sortie dans deux images. Parce que dans la 15e journée, nous commencé à jouer dès demain et nous avons gagné un alléchant Équateur-Pérou. Si Équateur bat, la montée à 27 points, yon match nul ou bien yon défaite de équipe et Uruguay, même le Uruguay recevoir Venezuela, Bambano et calendrier, n'a pas Bolivie Chili, Chili besoin victoire pour le retenir en course là, Uruguay Venezuela, Uruguay pas gain droit à match nul parce que s'il fait match nul et Équateur bat Pérou, Équateur a tout prend et 3e place là tout qualifié pour mondial, Argentine déjà qualifié, Colombie gain pour lever pied. Et Colombie qui a pris déplacement à Argentine, Brésil Paraguay, Brésil déjà qualifié, et puis même match moins invité nous à Algadia, c'est Pérou, Équateur. Si Équateur bat Argentine et Uruguay fait match face à Venezuela, Équateur a qualifié. Si Pérou bat, c'est Pérou qui prend 3e place.
m'a rappelé nous matin le n'a regardé là c'est l'heure haïtienne et c'est 1er février Bolivie Chili 3h matin a fête à La Paz. Uruguay a recevoir Venezuela la fête à Montevideo 6h du soir. Matin c'est toujours 1er février. 1er février Argentine 6h tour Colombie. Matin n'a pas tout résumé yo mercredi. Brésil 7h30 Paraguay et puis à 9h on pense que tout le monde a prêt dans la caillou et heure haïtienne le ça n'a gardé là c'est moi corriger pour nous on est obligé prendre temps pour me corriger pour nous n'a gayé yon Pérou et Équateur j'aime t'a dit nous si moi faire yon pack dans classement nous ka wè ça Pérou Équateur c'est un match et pour troisième place ça son match qui ka tout qualifier Équateur moyennant que Uruguay a 19 points pas oublié c'est 3 journées qui étaient 9 points si Équateur bat là-bas 27 points Pérou a prêté à 20 points a prêté 6 points c'est-à-dire que Équateur a tout qualifié mais moyennant que Uruguay pas bat parce que si Uruguay bat Uruguay a vingé 22 points 22-27 c'est 5 points cap séparé pendant que rete 6 points en jeu nous pas obligé aller dans deux derniers journées pour nous connaître si Équateur vraiment a joindre billet qualification li. Je pense que jodi a moi ba nou toute information sorti dans Don Bosco passé prend NBA All Stars et match qui était joué hier yo passé prend Coupe d'Afrique des Nations et tombé dans zone CONMEBOL là moi poko parler de zone CONCACAF là hier et Canada font belle victoire sous équipe américaine là et parce que ça long en pile c'est 6 équipes et c'est 5 matchs aller 5 matchs retour ça fait 10 moi pense que lorsque il était 2 3 journées m'a venir parler nous de zone et CONCACAF là merci à tout le monde qui était branché émission 1 merci à Guiri mon ami qui m'avait informé d'un sujet qui est très très important concernant JBTV merci mon ami mon grand frère Guiri Blanchi lundi et merci parce que nous t'ai fonti parler et Blanchi te dit US Open effectivement m'te ta corriger ça et Blanchi et m'ta parler de Master Blim mais Master Blim pas un grand chelem s'il vous plaît on connaît pas le prend petit parti ça ne pas dire que me dit son grand chelem non grand chelem c'est ça me dit nous c'est US Open Wimbledon Australian Open et c'est ça qui grand chelem et merci avec et Blanchi lundi qui t'ai temps ouais ti et ouais ça qui t'ai ta corriger pour moi. Merci à tout le monde qui était branché. Bon, commencer depuis en haut. Blanchi lundi, madame Magali Andris et Mackinson Frem, présent Yves Saint-Brice. Et top là, après émission, après l'eau, pour me raconter, pour m'expliquer un bagaille, directeur télévision Ted Philistin, et qui est son corps. Tout le monde qui était branché, merci et Antoine et Djegis, et qui était branché, merci beaucoup. Yon l'autre émission comme ça, c'est pour mercredi. Match tout ba nou la nan CONMEBOL lan n'a getan gagner tout match sa yo k'ap fin jwe demain 11h parce que match Équateur Pérou c'est Pérou k'ap recevoir la jwe à 9h d'ici 11h heure haïtienne l'a getan fini et mercredi n'a gagner tout résumé sa yo et nan émission mercredi an. Alfred Pierre c'est dernier moun qui écrit en bas live lan et Events Nek Kaipe qui a fêté Don Bosco aujourd'hui a belle émission JB mais c'est nous plus belle monsieur parce que nous toujours branché émission hein c'est nous qui toujours supporter JB TV dans toute ça la fait et quitte ces émissions quitte ces posts moins fait on leur comme ça et sous page moi toujours moi nous réagir merci beaucoup. M'a déjà dit nous bon mois de février parce que je dis 31 lié. Bon mois de février qui a commencé dès demain. Demain 1er février, pas oublier moi ça, li pa gen 29, li pa gen 30, li pa gen 31 la donne, ça dit que c'est moi qui picoute na année qui pral commencer dès demain. Bonne semaine tout le monde. Merci d'être que nous t'ai branché JBTV et 30 minutes d'actu à mercredi 5h45 pour deuxième émission semaine là. Thank you.